Bonjour YouTube, bienvenue. 2022 n'est pas terminé. Non, 2022 n'est pas terminé. Et le Dead God non plus. Il reste deux objectifs pour les post-it. Tainted Jacob into the Beast. Et le dernier des derniers, Tainted Lost into Mother. Plus un dernier objectif qui est de ramasser tous les objets au moins une fois. Et nous aurons le 100% d'Isaac. Le mec incite fortement pour sûr que je reprenne un abo et il appelle ça le jeu de mort. Mais oui, mais wow, do you know? Bon, j'étais sur WoW hier, j'y serai ce soir, voilà, bon, c'est un jeu de mort quand même. C'est pas une raison. C'est peut-être ça qu'on va faire après Isaac. Objectif 100% WoW. T'inquiète, ça va durer un moment. Donc, aujourd'hui, c'est le tryhard Tainted Jacob into the Beast. Combien de runs d'après vous? Vous pouvez parier dans vos têtes, dans vos chats, dans vos... Enfin bref, dans vous, ce que vous voulez finalement. Je serai sur Overwatch pour changer, perso, c'est ça. 5 2042 pour le 100% WoW. Une. Ah, Volupte nous dit une run. Eh bien écoutez, c'est parti. Où es-tu? Petit sacrifice là. Objectif The Beast. Objectif The Beast, ça veut dire une remontée, ça veut dire possiblement passer des item rooms. Mais où est Skyplay pour faire des planétariums? Pas de prédit. Qu'est-ce qu'on fait comme prédit? Je suis fatigué, je le sens. Oh, je le sens. Il est facile ce perso, regarde. Ah non. Il est encore en voiture, il est sur l'autoroute là. Alors ce personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien il y a son petit frère là, tu vois, qui va le chasser pendant toute la game, qui va essayer de nous buter. S'il nous touche, eh bien on va se transformer en The Lost, c'est-à-dire que nous aurons plus qu'un seul PV. Et... Comme ça par exemple, tu vois. Par exemple. Donc là, si je me referais toucher, je suis mort. Mais c'était pour vous montrer, tu vois, c'est la run de chauffe, c'est... voilà. C'est pour montrer. Bah oui, mais il faut que vous compreniez, tu vois, il y a des gens, ils sont pas trop habitués, ils sont là parce que c'est les vacances scolaires, mais... Oh oui, mais bon, je vous dis tout de suite, ça va pas être la run, hein. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Fun de chauffe. Allez, voilà. Merci à toutes, merci à tous. Volupte, bah, t'as déjà perdu. Alors que le collier de Guppy, 50% de chance à la mort d'Isaac d'être ressuscité. Alors, ça commence. Donc, nous allons skipper des item rooms. Pour avoir des chances d'avoir un planétarium. Puisque nous faisons une remontée, les item rooms, on va les retrouver en remontant. Si on ne meurt pas d'ici là, bien sûr. Là, elle compte. Ah ouais, tu comptais pas la run de chauffe. Ouais, d'accord. Ouais. De toute façon, une run n'est pas commencée tant que nous n'avons pas atteint le niveau 2. Pips and cax. Pips and cax. Tant qu'elle n'est pas gagnée, la run ne compte pas. Ça va, Chrisou? Bonjour, Black Nail aussi. Bonjour, Papy Nocturne. Je dis, je remonte les bonjours, ils datent d'il y a un moment. Les gens sont partis depuis, mais c'est pas grave. Moi, ça va, un peu fatigué, parce que j'ai pas dormi énormément. Mais sinon, ça va. Le moral est là. Et c'est déjà beaucoup. Et nous, on est là. Vous êtes là, et puis il y a des lurkers aussi. Des lurkers, des lurkeuses. Bonjour le mec d'hier. Tu
Tu parles de Yung Yung. Faut pas se faire toucher par contre pour gagner. Il y a des pièces à récupérer ici en volant. On se demande bien pourquoi le sommeil a été court. Bah ouais, c'est... compliqué. Il y a eu du Overwatch hier. Sur la chaîne d'une streameuse. Alors la streameuse insupportable, tu vois, elle joue n'importe comment. Puis elle rage. Débit augmenté, vitesse de l'arme augmentée, vas-y. Viens par là. J'ai deux bombes, il n'y aurait pas une petite salle secrète? Elle fait zéro dégâts en DPS, DPS diff. Cette pilule va nous aider. C'est sûr. Oh, digoxine. Ça veut dire que deux cœurs bleus en plus. C'est parfait. C'est parfait. C'était le mec bizarre peut-être. Il y avait un mec bizarre hier. Je sais plus exactement le pseudo. C'est Vanda, je crois, le pseudo. Je sais pas, ça se trouve, il est là, tu sais. Ah oui, ça y est, je vois de qui tu parles. Oui, oui, son pseudo, c'était genre le mec chelou. Oui, bah il est time out encore quelques jours, je crois. Peut-être qu'il reviendra. Cette pilule va nous aider, c'est sûr. On joue pilule, hein. Ah, chance diminuée, mais oui, mais jouer pilule aussi. Quelle idée de con. Bon, ça veut dire qu'il y a une pilule chance augmentée dans la run. On va jouer pilule. On veut jouer avec ça là. Pas vraiment. Hein. Par contre, on peut jouer avec les sous. Allez! Bah écoute, on va pouvoir avoir la machine portable. Il faut un cœur pour entrer ici. Ces jeunes et leurs machines dont du sang portable. Une nouvelle drogue chez les jeunes. Ils pratiquent le don du sang. Au coin de la rue. C'est pas foufou tout ça. Robe araignée, est-ce qu'on l'achète? Une drogue appelée Isaac. Un reportage signé Iris Alpha. Iris Alpha, l'enfant terrible de Twitch. Si vous n'avez jamais regardé ses streams, c'est quelque chose. Hein. Et allez, il prend des dégâts, mais bravo le veau! Oh là là! Ok, vous êtes prêts? C'était une astuce pour avoir un seul cœur pour aller chercher un objet incroyable.
Et débit augmenté, hein. Eh, worse ou pas worse, là? Putain, j'ai cru que t'avais dit merci daddy, Pic. Merci daddy, hein. Daddy bébou. Daddy bébou. Ça va paraître 4 pilules. Non mais on joue pilule, mais pas, on va pas acheter ça quoi. Bon, il est en promo, je l'achète. Pour l'instant, il sert à rien. C'est qui a sub là? C'est insupportable, c'est sub tier 3 là, ça me donne envie de... Crème fouettée, merci beaucoup pour ton sub tier 3, pour ton 21e mois. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et oui, je vois Velian Games là qui dit Isaac est en français. Oui, oui, oui. Maintenant, c'est inclus in-game, c'est même pas un mode. Hein. Salut Bébou. C'est sub tier 3 vraiment. Merci beaucoup. Donc pour l'instant, le familier, il sert absolument à rien, hein, parce qu'il est censé gérer les familiers. Sauf que je n'en ai pas. À part lui. Vous ne servez à rien. Vous êtes inutile. Personne ne vous aime. Et allez! Pourquoi j'ai ouvert ça? On fait pas Mother, hein. Bon, on va y aller quand même, mais... Tant qu'à faire. Un réceptacle de cœur. Oh non. Vous savez le problème, là? Ce que c'est? C'est ce caca rouge là. Ce caca rouge. Ce caca rouge est un problème. Donc je pourrais aller chercher le coffre et le bazar. Mais c'est qui? Il y a cœur gris dans une salle. Oui, on peut aller le chercher, ça c'est ok. Merci beaucoup Samakaon, ce sub tier 3. Merci énormément pour votre générosité avec les sub tier 3, c'est... C'est des sous, hein. C'est des sous. Mais j'ose pas passer en fantôme, parce que je sens que je vais toucher le caca rouge en rentrant dans la salle, non? C'est sûr et certain. Un sub tier 1. Mais non, mais c'est des sous, bien sûr, mais bon... Faut être motivé pour claquer un sub tier 3. Faut être sûr de soi. On aime le danger. Regarde, regarde le danger. Je vais à l'étage alternatif. Alors j'en ai pas besoin. Ah non, il n'y a pas le Holy Mantle avec ce... Non, non, pas avec celui-là. C'est ça le problème.
Et allez. J'aurais dû continuer la machine à reroll. Je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Croyez que j'arrive à... Croyez ? J'y arrive, mais il y a rien dedans. Je déteste ces mouches. Et allez ! Ça prend des dégâts. Il y a plein de trucs pour avoir des pièces là, mais bon. Il y a encore une machine de reroll. Fait apparaître une carte, jeu de cartes, on s'en fout. Ouais. Est-ce qu'on veut le voile de Non ? Pour l'instant, non, mais si on a un objet intéressant, subir des dégâts charge l'objet activable. Vas-y, je parie sur l'avenir. J'ai acheté le voile de Non. Il y a une boîte pour doubler les familiers, sauf que si c'est pour doubler les familiers, il sert à rien. Chiant un peu, là. Faire le boss tout de suite. À moins que... Peut-être bomber quand même, là. Vas-y, je bombe. Ah ah ! Le restock. Je regarde un stream, je regarde une streameuse, un streamer, et je pompe. J'ai dit je bombe, pas je pompe. Bon Dieu. I know you know. J'ai plus qu'un cœur bleu. Mais regardez. Un cœur d'os fait apparaître trois cœurs rouges. Facile. Ok, le miroir est là. Donc, toujours pas de planétarium. Merci Skyplay. Les cœurs d'os, ça fait quoi? C'est un petit peu comme un réceptacle jetable. Si je prends un dégât sur le cœur d'os, il va casser. Mais je pourrais le remplir, là. Il me faudrait deux cœurs rouges pour le remplir. Mais je vais choisir le restock.
l'explosax. Ah bah, il n'y a plus de cœur d'os. Merci à tous. Mais. Oh là là, cœur immaculé, c'est bien ça. Je fais partir les feux là. Est-ce qu'ils ont tous fait leurs larmes? Le cœur immaculé, du coup, c'est vrai que j'ai pas lu. Pour rappeler un petit peu. Déjà, il y a un petit multiplicateur de dégâts. Plus un cœur supplémentaire. Et j'ai des larmes autour de moi. Mais c'est surtout le multiplicateur de dégâts qui peut être très bien, quoi. Parce que ça veut dire que, par exemple, je crois que c'est 1,2 là, le multiplicateur. Donc si je chope un objet plus 1 de dégâts, bah ça fera plus 1,2. Ça snowball. Ça boule de neige un peu, tu vois. Non. Quelle chance d'avoir le King Baby, vraiment pratique pour toutes ces familles présentes. Oui, oui, bah, vous allez voir. Vous allez voir. You will see. You will Smith. King Baby. Je crois que ça dégoûte un peu King Baby, hein. Le terme, non? Oh bon Dieu, bah, c'était bien la peine. Ah, du coup, ça me fait prendre un dégât. Crever parce qu'il m'a foutu à côté de lui. Objectif The Beast. Fléau d'ignorance. Ah, je vois pas mes cœurs. Chiant. Chiant parce que j'aime bien profiter de mon petit machin portable, là, de don du sang. Le voilà, il est là, le planéto. Alors. Qu'est-ce que ça va être? Ouf, le choix. Nous avons Pluto, avec un débit augmenté et diminue beaucoup ma taille. Et nous avons Luna, qui ajoute des salles secrètes et me donne des stats quand je vais en salle secrète. J'aime les deux. Pluto égale mom. Vous êtes plus Luna. Pluto. Lune. Attendez, parce qu'il va y avoir le... Attendez, on va aller au shop. On va Diplopia, vous allez voir. Carte déchirée, tire 15 larmes, un IPCAC, non merci. Luna sert à rien contre The Beast. Pourquoi? Il y a moins de salles secrètes parce qu'il y a la remontée, c'est ça? Bah, je me demande si ça en rajoute pas, justement, dans la remontée. Alors qu'avant, il n'y en a pas.
Débit augmenté. Pas sûr de ça. Ouais. La bougie noire, c'est bien. Ça va m'enlever les malédictions. Hop. Oui, je retrouve mes points de vie. Bon, pas de diplopia. Je suis déjà capé en débit. C'est vrai que j'ai déjà 5. Pas un petit familier, là, franchement. Aucune salle spéciale dans la remontée. Il y a aucune salle secrète, mais est-ce que le fait d'avoir la génération d'une autre salle secrète en génère une ? Enfin, vous avez compris ? Ah! Bah oui, mais oui, c'est un coach là. Pas de salle secrète. Bon, il y a un autre rocher marqué là. Jugement. Judgment. Je sais toujours pas quoi prendre. Luna, c'est un peu plus fun. Pas de salle secrète pour la remontée. Pluton est mieux. Bah disons que je pourrais peut-être mieux esquiver en devenant tout petit, mais effectivement le débit va rien servir. Après ça me permet aussi de... Ouais, de, je sais pas, de tester des pilules. Oh! J'ai choisi Luna. I choose Luna. J'ai fait mon choix. Le regretterai-je ? Cet item-t-il vous convient-elle ? Choisis Luna, oui, tu es aussi sain d'esprit que moi. Ah regarde, ça me fait dépasser le débit là, je suis à plus 6. Luna for the win. Je déteste ce truc là. Alors, ça augmente pas mal mes dégâts. Surtout que j'ai un multiplicateur, mais bon. En plus, ça fait chance moins 1 alors que j'ai déjà moins 1.
J'ai envie de faire quand même, ouais. Bon, pas de IPCAC, non. Merci. Vas-y, je prends. Ça augmente beaucoup mes dégâts. Et les larmes reviennent vers moi. Je l'ai pris, je l'ai pris! Je regrette déjà. Il n'y a pas un truc à 10 là? C'est 13. Petit IPK en blind. Fuck! Ah, super, merci. Le vieux pansement, plus un réceptacle. Écoute, panique égale power, ce serait pas mal. En plus, c'est un truc qu'on utilise assez rarement. Le pot belge. Ah non, c'est pas le truc belge là qui revient. Je comprends rien avec votre truc de Belgique là. Vieux pansement. Whole bandage. Il faut s'habituer au français. N'oubliez pas qu'on fait une remontée. Hein. Faudra bien me le répéter parce que je suis capable d'aller dans l'utérus direct. Hein. In utero. Mais putain. Oh, une pilule. I found pills. La petite machine de reroll là. Go trouver un mendiant. Honk, 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 honk. Ah, mais cassez-vous! Subir des dégâts peut donner plus 1,8 pour la durée d'une salle. En vrai, peut-être à la fin de l'étage récupérer ça. Arrête de foncer dans les ennemis! Le trinket est affecté par la luck. Tu veux dire qu'avec moins 2 de luck, je peux aller me faire foutre? Je comprends. Putain. Faut une remontée, hein. On doit remonter. Je déteste. Je déteste.
Bon, la flaque de pipi, merci. Hein. Ouais. C'est pas du pipi, c'est du citron. Oui, oui. Tu peux y aller, c'est du citron. Merci Carnet Lunaire. Une glace. Give me une boule de glace. Y'a plus de glace pour la fête. Bah je sais pas quoi acheter là, ça me saoule. C'est pas notre dernier shop en plus. Hein. Wouah! Comment il a foncé lui? C'est quoi ce piège là? Ah! 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 Oui, j'aurais dû sortir et rentrer, on aurait peut-être eu le temps. Répondez! Heureusement qu'on a le King Baby, hein, il fait le taf. Pas du tout. Bah oui, bah, tu vois bien que c'est un problème là. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. La salle Notre-Dame de Paris. Rude. Permet à Isaac de porter deux babioles à la fois. Ça vous teinte, ça, ou pas? Bon Dieu! C'est la fête foraine! Putain, mais elles sont où les salles secrètes? Mais putain!
Ouais, prendre des dégâts, vous savez. Ah, des dégâts, nous disions. On remonte, hein. Luna, merci. Merci Iris pour Luna. Ça débite. Ramasse une pièce, fait apparaître une mouche bleue. La luck. Mais je vais pas try dans la grande salle pour trouver la super secrète là. Bonjour Nizar. On remonte, hein. Do you know? Remonte, mais on n'est pas à l'étage remontada, donc on peut descendre. Ok, attention, c'est l'étage de la remontada. Ah oui, faudrait, on peut mettre un trinket quelque part, effectivement. On va essayer d'y penser. Oula, si ça marche. On remonte, on remonte. On remonte à Dad. Provoque 8 paix. Un P. Un P. C'est drôle. Thank you.
Non. Attends, je recule. C'est bon, j'ai le mât. J'ai le mât. C'est quoi ce bordel là? Quelqu'un qui est en train de se dire PTDR, ils ont traduit avec le mât, mais ça veut rien dire. C'est pas ça la traduction. Machine de reroll en salle d'item. Oh vraiment? Ça s'est bien passé, je trouve. L'impératrice. Viens, on continue à descendre. Non! Do you know, on fait la remontée. Trop de dégâts. Salut Brie, remonterons-nous? Nous remontons. Attendez, hein. Attendez. J'essaye des trucs, mais il faudrait beaucoup de sous. J'ose pas prendre le cœur noir tout de suite. Meat Boy. J'ai pas vu Meat Boy, moi. Et arrête, mais tu vois, tu prends des dégâts aussi, tu saoules. PV augmenté. Oh, c'était une connerie de prendre ça. Avec les larmes qui me reviennent dessus.
J'ai peur. Ah mais je pensais que le bandage allait proc. Hein. C'est ça que je voulais. Non, j'ai pas la super secrète. Putain, mais voilà, c'est ça moi. Casse les couilles. J'ai pris les caca rouges! La carte de force. Ouais. Je sais pas si ça peut être là en plus. Je crois que ça peut pas. Oh là là. Ce cœur. Pourquoi il y a des cœurs qui traînent en fait? Je sais pas si c'est parce que je dois voler. Ouais, il y en a deux. Et en haut, c'était quoi? Ah, casse-toi, toi. On va faire mom tout de suite, ouais. On va faire le pied. J'ai même pas vu ce qu'il y avait en haut. Je suis allé voir et j'ai pas vu. Juste comme ça, on remonte. Hein. J'ai bien le mât avec moi. Je vais prendre le Polaroid et ne pas le mettre dans la porte tout de suite. Oh bah alors ça, franchement King Baby, adieu hein. Il me faut ma carte force. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose, je sens, mais bon. Il sera regretté. Probablement. Yes.
Yes, yes, yes. Le mendiant de sang, bah tu vois, je sais pas, parce que moi je serais bien pour prendre la boîte là et acheter un maximum de cœur bleu. Le problème, c'est que ça va vite coûter cher. Hein. Il faut que ça proc après. Ça proc. Ouais. Ramasse pas les cœurs bleus. Pourquoi pas? Pour 3 pièces, tu as 2 trailles. Cher encore bleu là. Ça sent les conneries cette histoire là. Vous êtes sûr qu'il faudrait pas juste que je me barre et espérer de ramasser des cœurs bleus là? Ah oui, mais j'ai ramassé un cœur bleu pour rien. Pourquoi j'ai ma bubule qui reste active à 100% là? La boîte en donne. Il y avait des cœurs bleus qui traînaient? Je crois pas. Hein. Non, mais des cœurs rouges, oui. Le cœur rouge en haut est accessible avec une bombe. Après, j'ai plus de bombes pour trouver des secrètes. Parce que j'ai pas la deuxième super. On a déjà eu une pilule HP up, non? Ouais. Donc dangereux, hein, cette pilule. Mais pas de full health. Carry explosive. Forcer un cœur bleu et le reste on va le trouver à l'étage suivant. Non? Oh yes. Oh yes. Oh le cœur d'os, le cœur d'or. Non mais Meat Boy non, j'y crois pas du tout à Meat Boy. Surtout sur The Beast, il va plonger dans la lave.
Un trinket pour Inner Child. Très juste. Très juste. Bon. On va bien trouver un autre cœur bleu quelque part pour compléter ça. C'est bon. Il y a un trinket dans B1. Ah! Void Vince est au courant. Tu peux toujours faire deux tests pour 4 pièces. Non, non, mais c'est bon. On va trouver un cœur bleu dans la route. On retourne pas sur le boss, hein. Je rigole! Je rigole! J'étais en train de rigoler, là. Putain. Bomber les mendiants, non, parce que je crois qu'ils donnent rien, eux. On peut les faire, si vous voulez, mais je crois qu'ils donnent rien. Le mendiant de sang et le mendiant pourri... Ouais, ils donnent rien. Par contre, je sais plus où est l'entrée, là. Je suis perdu. Achète un cœur rouge pour le mendiant. Non, non, mais non, ce serait... Il faudrait trop de cœurs rouges pour que... Il donne quelque chose. Attention à cette merde. Putain ! Ça va trop vite ce truc. Insupportable. Allez, encore un petit cœur bleu. Mais où? En haut? Attends, on va faire la salle qui est là-haut. Comme ça, on est sûr. Non, tu vois, par exemple, ce n'est pas possible. Allez, les fils de pute, j'en ai marre. Prends trop de dégâts! Donnez-moi un cœur bleu! Rejoue toutes les ressources de l'étage. Il y a le colombin là. Ils vont trop vite ces trucs. Peut-être que je devrais laisser des ressources. Le shop, c'est grid. Hein. Deux pilules non identifiées. Identiques. Infestées. Okay. Oh là là. Caca... Caca douteux, j'ai cru.
Oh, la genèse. Tout ça pour la genèse. On se refait un build. Mais bon... Genre là maintenant? Ou plutôt quand on sera dans la remontée pour pas se refaire cet étage? Non, j'en sais rien. Au prochain étage, voilà, c'est ça. Si on arrive jusque là... Le boss est là, de toute façon. On prend le boss, puisque de toute façon, la salle d'items, on l'aurait pas prise tout de suite. J'aurais bien voulu ça, là. Je sens que c'est une connerie. Je sens que je viens de faire une connerie. Elle guise. Je sens qu'elle a remonté, je vais pas changer de forme. Oh, c'est bon, j'ai changé de forme. Il vaut mieux garder ton reroll. Ah ouais? Ouais. Je touche pas à ça, moi. I'm looking for salle d'item. Please. C'est quand même des démarches, hein. J'aimerais bien qu'ils lancent leurs larmes, là. Je sais pas si ça va le faire, en fait, vu qu'ils sont enfermés dans des rochers. Casse-toi. Ah oui, mais le reroll, on s'en fout, puisqu'on fait... on fait du Genesis derrière. Donc on prend... Oui, en fait, on prend Bob. Ça fait un item. Après, c'est vrai que peut-être que le reroll... À part, voilà, si on tombe sur un très bon item. J'ai quand même 36 pièces. On peut essayer. Des dégâts. Ou des larmes en double. Genre les lunettes. On Genesis maintenant pour garder les lunettes. Tu poses ton trin... Oh là là, c'est des démarches votre histoire. Mais vous êtes sûr qu'en Genesis, là je reviens ici et je peux ramasser les lunettes? Ça va te reroll l'étage? Bah oui, c'est ça que je me dis peut-être. Ouais, c'est ça, je suis pas sûr de revenir ici, hein. Parce qu'on passe dans une trappe. Et pourquoi vous vouliez absolument les lunettes? Enfin, c'est bien, mais bon. Je les prends, je continue. On voit à la fin de la remontée si mon build m'intéresse. Ça me... J'aime pas quand on réfléchit trop, là. Bon, à quel étage on n'a pas fait les salles d'items? Les trois premiers?
Bravo. Go tout de suite pour le spectacle, pour la ménagère. Ah non, 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 si on attend dans les salles d'items, là, on a des machines de reroll. Je sais pas, il peut y avoir des super trucs incroyables. Et on se dit, bah finalement, on Genesis pas. He's self-destructive and disturbs just like his father. Look at who he has to look up to. You're drunk again, aren't you? Shut up, Maggie. Shut up! Just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. Par contre, ouais, je sais plus quelle salle je dois refaire. Je me demande si j'ai pas... Ah, coucou toi. Moi de Cricket's Head, je pense que ça va être Genesis. Oui, mais plus je ramasse des items, plus il y a des choses à Genesis. Même si on ramasse de la merde. Merde! C'est pas grave. Une pilule non identifiée. Si, si, on a un item d'Angel Room. On a l'Immaculate Heart. Bien tout ce qu'on a d'intéressant. Coucou pingouin. And become saved. Let his light inside you cleanse your soul. Insane. You are taking. Coucou pingouin, merci beaucoup pour ton raid. Tu gardes l'anima sola? Bah a priori oui, c'est un objet lié au perso. Bienvenue le raid. Figurez-vous qu'il ne me reste que deux objectifs pour terminer. Enfin trois avec tous les objets. Tainted Jacob, objectif The Beast, on est dessus. Et Tainted Lost, objectif Mother. Peut-être devriez-vous rester, peut-être allez-vous passer un moment historique. Historique, hein, vraiment. Et là, on est en train de terminer la remontée. On va faire Genesis une fois à Home. Là, il y a la salle d'items à faire, en tout cas. Enfin, toutes les salles d'items sont à faire, je crois, maintenant. Oh ! Attends. Attention à pas te faire toucher ! Je veux pouvoir dire j'y fus. Oh là là. J'ai des idées de génu. C'est drôle.
Si je me fais transformer en fantôme, là, je reviens normal en prenant le truc. J'ai toujours peur dans ces étages, là. Je pense que oui, puisque d'habitude, on a l'échelle des anges. On a... Oui, hein. Ok, bon, on va prendre le cœur bleu qui est ici, alors. Putain, mais il se colle à moi, après, ça me... Tant. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Clé brisée. Je regrette un peu mon algis quand même. Ouais, ma salle d'items. Remarquez que le King Baby qu'on a acheté, qui a servi un peu à rien, et le voile de la nonne, là, pareil. Bah ça me fait un peu rire. Bah, en vrai, il va être génésé, il va peut-être servir. Génial, hein. Ah, les petits bébés Rainbow. Si tu peux avoir un cœur blanc avant la fin de la remontée aussi, ça protégera d'un hit en étant The Lost. Ah oui, oui, c'est cette fameuse technique. Ouais, je sais pas si j'y arriverai. Hein. Je sais pas s'il y a besoin de régène, puisque de toute façon, on va perdre nos HP up. Avoir une échelle, oui, c'est assez fréquent. Putain, je la tape, je sais pas pourquoi. Belle échelle cette année. Vas-y, j'aurais pu casser ces rochers là aussi. L'escabeau. Moi, je pense que la meilleure partie, ça va être le moment où on va faire Genèse, on va faire un build, et que je vais me faire toucher par le jumeau, et que je vais mourir là-haut. Je vais mourir dans ma Genèse. Il y a un monde où ça va se passer comme ça, hein. Faut que j'aille chercher Inner Child avant de Genèse, non? Je
pense que Genesis te ramène dans la même instance de la maison. Donc si tu ouvres la porte, tu Genesis, puis tu reprends Inner Child. Bah je sais pas, ouais. Enfin, faut que j'aille ouvrir la porte. Enfin, je vais perdre... Tu vois ce que je veux dire? Je vais perdre mon morceau de clé avant, après, parce que la porte sera ouverte. Je sais pas si je garderai le morceau de clé si je Genesis ou si je le pose par terre. On en est là. Du coup, je sais pas dans quel ordre faire les choses. Si on va dans le machin Tented, alors qu'on a déjà le Tented, il y a un objet qui fait que j'ai une chance j'ai une vie supplémentaire. Tu try the beast comme ça, et si ça marche pas, juste avant de mourir, tu genèses et tu retry avec un autre build. Je sais pas si... Wouah, je sais pas ce que ça ferait, ça. Salut, gilet. Si, si, j'ai la clé, là. Elle est là. Je la vois. C'est possible ? Je sais pas si ça marche par contre. Ouais, c'est ça. On attend tout ça. Oui, Macaon, ça suffit. Soit tu poses tout et tu genèses, soit tu fais The Beast comme ça et genèses en 4 pépins. Genèse ne marche pas pendant le combat de The Beast. On va Genèse avant. Le wiki dit que ça fonctionne pas. Mais la question maintenant, c'est... Je prends Inner Child avant ou bien je pose la clé rouge? En fait, je sais pas si quand je vais revenir, ce sera exactement effectivement la même maison. Si c'est la même instance, devrait y avoir la clé par terre. Si ça ne l'est pas, on va perdre un item. Comment ça, F? F à re. Ça va, Sky? Par exemple, ça laisse pas Méga Satan ouvert. C'est pas tout à fait pareil, parce que quand t'arrives chez Méga Satan, tu poses la clé. Oui, en même temps, c'est pas la même... oui. Ah, t'as crash, d'accord, j'ai compris. Puis l'autre qui arrive, là, vas-y, ça me tend. Il va venir nous saouler. Hein. C'est bon. Hein. Fuck it! Pff, y a rien d'excellent, hein. Il arrive, il me casse les couilles. Il y a succube. Il y a le souffle de sang, subir un dégât dans des machins. Il y a le chat dead. On va prendre succube. Hein. Nous avons un HP up avec de la puissance et une picouse. On va prendre le HP up. Voilà, on va prendre le petit du milieu. Les récompenses, ça sert plus à rien. Le livre,
Non, le truc de droite. À ma famée et encore à ma famée. Sur The Beast, encore une fois. Bon, bref. Oh là là, c'est de la dinguerie, hein. Oh là là. Oh là là, les beaux items, les beaux items. Un paquet cadeau. Oh, les beaux items, hein. Je devrais pas les ramasser, on sait jamais. On va prendre le punch. Hein. Prends pas le punch. Ah bon? Pourquoi pas? Enfin si. Sky. Boîte de Pandore, ça va faire quoi? Ça fait rien à Home en plus, je crois, non? Si tu utilises le paquet cadeau sur Dogma, est-ce que ça drop directement l'objet, l'item Dogma? Comme il n'y a que ça dans la room? Non, je pense que ça fait pas ça. Ça fait rien à Home. Par contre, si j'utilise ici, je suis pas spécialement à Home, là. Si? Est-ce que je suis considéré comme étant à Home? Maison, ouais. Bah... Les gens ont prévenu que prendre un activable supprime celui que tu as en main, fais gaffe. Ah ouais? Calcul rénal, on aime ou pas? Ouais, on aime, allez. On va blanquette. Des dégâts. On va prendre des dégâts, hein, parce que... Attends pour un reroll possible. Comment ça, attends pour un reroll possible? Augmente la taille des larmes, les ciseaux et la lèpre. Augmente la taille des larmes. Ah oui, d'accord, au cas où il y avait un reroll. Oh, super. Body in a box. Arc-en-ciel. Encore du débit. Je suis à combien en débit normal? Tu prendrais le HP up? Je sais pas. Pourquoi vous êtes pour le HP? Du débit là. Allez là! Ah! J'ai pris révélation. Ça tire tout seul pendant que je tire, ok. Le galet... Pas flatstone. J'aime bien comme vous faites... Pas flatstone. Pourquoi? C'est nul sur The Beast. Ah oui, parce que ça rebondit sur rien sur The Beast. Très juste. Voilà le HP up.
C'est déjà fini ? Oh putain. J'aurais pas dû prendre ça. Ah ! Putain, je pouvais pas passer derrière le lit, quelle horreur. Bon bah... Ok, donc on descend. Ok, on est bel et bien dans la même salle. C'est une vie supplémentaire. Transformable. Ok. On va prendre l'autre trinket, non? J'ai deux de luck en plus. Je vais sûrement prendre des dégâts et ça va augmenter dans la salle de The Beast. Ton trinket actuel fait des ondulations et ton laser quand même. Ouais, je sais bien. Non, il est plus doublé parce qu'il fallait garder la boîte, je pense. Je perds un peu en débit. Tu fais que 6 de dégâts. Mmh. Ouais, mais j'ai... Ouais, je sais pas. Après, quand je passe là-dedans, je suis à 9. Je vais prendre des dégâts, donc ça va bien augmenter. Tu n'es pas affecté par la luck. Ah bon? Je sais pas, il y a quelqu'un qui avait dit ça. Bon, tout peut s'arrêter en quelques frames, hein. Putain, mais quel gros connard! Pardon. C'est pas vrai, quoi! Les frames, là! C'est une blague! Bah ouais, bah génial. Merci. Hein. Putain, je vois rien. C'était une belle run. Je vois rien. Je suis trop petit. Je sais pas où je suis. Je vois rien. Je vous jure, je vois rien. Je sais pas. J'esquive sans faire exprès, hein, je vous préviens. Putain, ça me dégoûte! Ah, ça me dégoûte! Le premier dégât, il fallait que ce soit... Non mais je te jure. Ah, le dégoût!